Merci pour la dimanche pentecôtique. Seigneur Pelominayo, merci pour être. Amateur, il y a ma homme dans la boisson de Dieu, le pasteur enseignant, le docteur capital. Voilà, j'en ai gagné. Aujourd'hui, je parle de la Pentecôte. La Bible dit. Lorsque les jours de la Pentecôte arrivèrent, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient. Une langue qui semblait du feu et qui se séparait les unes des autres leur apparurent. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait. Amen.
j'ai mis à votre disposition l'oreilliste parce que c'est ma façon de communiquer l'évangile et c'est un de mes points forts et c'est pour aider les gens à comprendre tout le mouvement qui se passe à l'Église et surtout des enseignements que vous êtes appelés aussi à dupliquer, à transmettre à d'autres personnes. Je suivais ce que je vais enseigner pour comprendre du moins le thème d'aujourd'hui, la vérité fondamentale dit que le baptême de l'esprit, c'est un don que tout croyant peut recevoir instantanément. Amen. La vérité fondamentale est claire. Le baptême de l'esprit avec l'évidence du baléant. C'est un don qui tout croyant, quelle que soit la dénomination, parce qu'aujourd'hui, dans d'autres dénominations, on limite le baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême, c'est un don que tout croyant peut recevoir instantanément. Donc, ce n'est pas question d'attendre demain ou après. Non. Parce que ceux qui attendaient, c'était les disciples de Jésus. Ils attendaient les jours de la Pentecôte. Amen. Parce que la vérité devrait commencer à Jérusalem. C'est pourquoi le Seigneur a leur avis. Attendez là-bas. Ne partez pas encore aussi longtemps que vous n'êtes pas baptisé de l'Esprit. Parce que le baptême de l'Esprit, c'est ça qui va vous permettre d'affronter n'importe quel problème. De vous proclamer l'Évangile avec l'onction du Saint-Esprit. Amen. De la Pentecôte, Jésus dit à ses disciples: restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Certains supposent que ce verset sert de formule biblique pour recevoir le Saint-Esprit. Si c'était vraiment une formule, nous n'aurons pas le droit d'en enlever le mot Jérusalem. Jésus ne leur dit pas simplement d'attendre, de patienter, mais il leur commanda qu'ils restaient à Jérusalem. Car c'était là que l'Église devait commencer. Ce sont des choses que les chrétiens doivent bien connaître. Amen. Et revenons aux paroles par lesquelles Jésus a montré aux disciples comment démarrer leur ministère. Beaucoup s'improvisent pour commencer le ministère, le travail de Dieu, sans qu'il soit rempli de l'Esprit. Amen. Amen. Et juste avant de les quitter, Jésus leur a en effet prescrit ceci: ne partez pas et ne commencez pas encore à exercer votre ministère parce que vous n'avez pas encore le bon équipement. Allez à Jérusalem. Suivez ça très bien. Parce que souvent l'église aujourd'hui, les gens sont en l'air, et on n'arrive pas à enseigner le peuple de Dieu. Amen. Amen. Avant d'aller exercer votre ministère, attendez d'abord à Jérusalem que vous soyez rempli de l'Esprit. Ne partez pas sans le baptême de l'Esprit. Amen. Soyez d'abord équipés. Amen. Vous allez comprendre l'équipement, c'est quoi? Amen. Vous aurez reçu votre équipement, vous pourrez y aller. Alors, si cela était vrai pour les apôtres qui avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, qui avaient entendu tous ses enseignements et vu tous ses miracles, ne pensez-vous pas que c'est également vrai pour vous et moi? Nous ne sommes même pas faits pour bâtir et exercer un ministère tant que nous n'avons pas reçu l'équipement approprié. Soulignez ça très bien dans votre domaine. Et voilà là où les gens doivent comprendre qui est appelé à exercer le ministère. Parce qu'aujourd'hui, les personnes
permet une fois qu'il était dans une église et qu'il sortait et dis-moi aussi qu'il exerce le ministère. Est-ce que réellement tu as été appelé, tu as été appelé pour exercer le ministère? Pourquoi tu dois être sous le ministère? Parce que c'est pas tout le monde qui est appelé dans l'un des cinq ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Que Jésus a donné aux pieds comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur. Amen. Lorsque vous aurez reçu votre équipement, vous pourrez y aller. Si cela a été fait pour les apôtres qui avaient passé 3 ans et demi avec Jésus, qui avaient entendu tous ces enseignements et vu tous ces miracles, ne pensez-vous pas que c'est également fait pour vous et moi? Nous ne sommes pas faits pour partir exercer le ministère tant que nous n'avons pas reçu l'équipement approprié, j'insiste, soulignez ça. Dans Luc 24, dans le passage, et il leur dit, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Yes. Alors, la bonne personne dit ça, Mananguya Nicolo, Tango de l'Opéra Nicolo. Amen. Amen. Donc, voici l'équipement. L'équipement, c'est la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Amen. Amen. La puissance surnaturelle du Saint-Esprit. C'est ça l'équipement. Et il a dit la même chose dans Actes chapitre 1er verset 8, et juste avant que Jésus ne soit enlevé au ciel et que les disciples ne le voient plus de leurs yeux naturels sur le mont des Oliviers. Ces dernières paroles pour ses disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Bien qu'ils aient des nouvelles à annoncer, ils ne devaient ni sortir ni partir pour le faire avant d'avoir reçu l'équipement nécessaire à leur ministère. Il y a également cela. Amen. Amen. Bien qu'ils aient des nouvelles à annoncer, même si vous avez des informations à retransmettre, la bonne nouvelle à aller annoncer. Oui, c'est vrai. Mais ne sautez pas encore, ne partez pas. Aussi longtemps que vous n'avez pas reçu l'équipement nécessaire, c'est-à-dire la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Amen. Et dans Hébreux chapitre 2, verset 3 à 4, l'auteur de l'Épître insiste de nouveau sur l'équipement que Dieu a prévu pour son peuple. Il dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu a pris en leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Donc, d'après ce passage, c'est la volonté de Dieu que les témoignages de Jésus et le message de l'Évangile soient accompagnés par les dons du Saint-Esprit. Sa volonté. Amen. Les dons spirituels comme des gadgets, mais comme des outils. Et sans les outils, nous ne pouvons pas faire notre travail, remplir notre fonction. Amen. Amen. Je veux vous expliquer quand je vais terminer. Vous dire que vous faites ces schémas, quelle est ta fonction, quelle est la place dans le corps, et après, quel est l'équipement approprié que vous avez, peut-être aussi, l'équipement vient aussi par le ministère, le don ministère. Voilà ces choses-là. Sont-ils que l'on annonce la bonne nouvelle avec l'onction du Saint-Esprit? Et on doit connaître toutes ces choses. La réalité, quelle est ta fonction, ta tâche dans le corps, quels sont les dons auxquels tu es équipé, et en même temps, essayer de faire le travail de Dieu avec l'équipement de Dieu.
Sinon, alors vous risquez de connaître des problèmes. Alors, un autre point qui sera le dernier pour nous équiper, nous avons besoin de l'aide du ministère que Dieu a donné. Et Paul l'établit clairement dans Ephésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Mais Paul a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Donc, d'après ces passages, la volonté de Dieu est donc que ses enfants soient équipés pour le travail qu'ils ont à faire, et il a placé, voilà la précision des tailles, dans les corps enlevé haut, certains ministères principaux dont la responsabilité est d'équiper le peuple de Dieu. Amen. Amen. Donc il y a des ministères principaux qu'on appelle le ministère d'autorité. Ce sont les ministères d'autorité. Et ce ministère-là, ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Ne vous attendez pas au métier d'y entrer si on ne vous a pas appelé. Mais aujourd'hui, on va dire tout le monde là. Et c'est pourquoi nous voyons tout ce secteur de l'Église. Et c'est une raison supplémentaire qui montre combien il est important de faire partie du corps. Et ce n'est que dans le corps que vous bénéficiez de ces ministères qui ont pour objet de vous équiper pour le service. Mais, vous savez, l'Église, c'est le corps de Christ. Vous voyez, l'Église est le corps de Christ. Et la tête du corps, c'est Jésus-Christ. Jésus est la tête. Et l'Église est son corps. Et tout celui qui reçoit Jésus comme Seigneur Sauveur devient membre individuel du corps de Christ. Voilà pourquoi passer du corps et doit être dans l'unité, dans la communion avec tous ceux qui font partie du corps, parce que c'est de là que vous serez équipés pour faire le travail de Dieu. Dans le mois de septembre, c'est terminé dans ce semaine, le dimanche prochain, du mois pour le premier mois, le mois prochain, vous allez terminer ce mois de septembre, le processus pour la démocratie. Amen. Amen. Et nous allons terminer la première année, la première année du processus des 5 ans, de ce processus des 5 objectifs. Amen. Amen. Suivez-moi quand je vous parle. Je ne l'ai pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'en 2009, nous avons commencé à faire ce processus. Et nous les avons terminés en 2014. C'était l'année passée. Et le 15 septembre 2014, nous avons repris pour la situation le même processus de 5 ans pour observer les 5 objectifs. Pourquoi nous les poursuivons? Parce que c'est un projet. S'il veut être en bonne santé, il faut que tous les systèmes de son corps puissent fonctionner. Si un des systèmes ne fonctionne pas, la personne va tomber malade. Bien. Si quelqu'un n'arrive pas, il constate que l'objet fait partie de son corps, il ne fonctionne pas. Mais c'est une partie du corps, c'est tout le corps, c'est toute la personne. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a appelé, pasteur. Dans l'hôpital. Je n'arrive pas à au café. C'est-à-dire qu'il y a un organe de mon corps qui n'arrive pas à fonctionner. Et là, il était noir, je n'avais donc pour ça, on va monter. Mais ce n'était pas tous les corps. Il a dit que vous m'avez dit Il y a un dysfonctionnement. Il y a différents systèmes dans le corps. Tous ces systèmes. Dans un véhicule, si vous avez un véhicule, il y a
système, les frères, toutes ces choses-là. Une fois que seulement quelque chose se détache, même vous verrez que le véhicule ne peut pas aller. Il faut que quelqu'un vienne. Il y a ces fils-là, c'est détaché. Remets seulement. Voyez, c'est tout le véhicule. Est-ce que nous comprenons? Pour cette chose, il peut être ça là. Et voilà pourquoi aussi, au niveau de l'église, écoutez, ne suivez pas ce que les autres vont là. L'église doit être en bonne santé. C'est-à-dire la bonne santé, c'est pas tous les objectifs. Les objectifs éternels sont réunis sur l'éternel et ça n'a rien connu. C'est à ce moment-là que l'église sera en bonne santé. C'est-à-dire, il y a l'adoration, il y a le ministère de salut, il y a l'évangélisation, il y a la communion fraternelle. Ils sont toujours unis par des bonnes relations. Et ceux qui viennent, ils vont pour atteindre la maturité, la fin de ressembler à Jésus-Christ. Une fois que ça se accomplisse dans l'église, c'est une église en bonne santé. C'est ça la véritable église de Dieu. Non, nous devons continuer à croire toujours en poursuivant ces objectifs. Amen. Amen. Ce qu'on recherche dit que c'est des choses. Il faut que l'église soit solide et que l'église soit en bonne santé. Et vous avez la grâce dans l'amour de Dieu. Ça, c'est déjà un acquis. Ça, c'est un grand témoignage. Il faut témoigner partout dans le monde. L'église, l'amour de Dieu, toujours, c'est une église forte. Surtout dans d'autres dénominations, confession, en fait que permettez de passer par des endroits. Là, ça peut se comprendre. Si vous n'avez pas le ministère d'autorité, mais celui qui a reçu le ministère d'autorité, c'est celui-là que tu as placé dans cette église et dirigé cette église. Et pas faire longtemps dans cette église. Au moins, dans l'église, au moins 15 ans. Madame, vous sauvez dans l'église. Pour faire preuve que l'église qu'il dirige, c'est une église solide. Parce que tous les enseignements qu'il donne, les gens seront dans la même lignée. Ils seront la même doctrine. Frère, personne ne peut me dire que je suis amen. Amen. Parce que je fais plus de 15 ans. Je fais plus de 15 ans de cette église. J'enseigne. Je vous communique, je vous ai dit là. Personne ne pourra venir le dire. Que lui, on doit les délivrer parce qu'il a reçu Jésus. Il doit passer par la délivrance. Jamais. Parce que ce n'est pas ce que je lui ai fait. Il n'y a pas un autre pasteur qui va te donner la délivrance. À la radio, pour vous mettre dans cette position. Mais non. Si vous êtes né, vous avez été déjà délivré. Mais encore son assiette, il avait comme ça. Mais toujours avec les enseignements.
de la foule que tu les cherchais. Mais nous, comment nous allons apprécier? Tu as dévié de ton message. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est toi le message que tu dois communiquer. Amen. Amen. Moi, je vous communique le message de l'amour. L'amour triomphe toujours. Capitaine, mon bébé triomphe toujours. Tu vas mettre aussi ton nom qui triomphe toujours. Et qui triomphera toujours. Parce que Dieu est amour. Dieu n'a jamais échoué. Je ne vais pas appeler les gens ici quand ils viendront. Mais parce que je voulais qu'ils viennent nombreux. Après, je vais les écouter. Mais là, après, je vais remettre ce message. Ça, je l'ai dit, je suis. Je suis quelqu'un qui doit parler pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que j'ai remarqué. Ils appellent les gens, ils laissent leur message. Quand ils viennent, quand ils sont là, ils commencent à mélanger. On ne mélange pas les gens. Moi, je ne peux pas vous dire en même temps. C'est rien que je vous dirai. En même temps, je vous dis que vous avez été dit. Non, restons sur quelque chose qui est biblique. Amen. Voilà pourquoi je ne peux pas vous dire que si longtemps que vous avez reçu Jésus-Christ, malgré cela, vous devez. Mais non. Vous avez été déjà délivré. C'est ça la vérité. Vous devez croire la vérité de la parole de Dieu. Que Dieu soit reconnu pour vous et tout le temps pour votre âge. Acclamez-le, Seigneur. Parce que j'ai des choses à vous enseigner aujourd'hui avant que nous puissions à la fin prier que nous soyons que toute l'église soit remplie. Amen. Amen. Alors j'avais dit il y a ce ministère, je parlais de cet homme ministère. Amen. Amen. Donc nous avons besoin de l'équipement complet. Les saints. Alors ça c'est au niveau de l'équipement. Je vous ai dit, il y a d'abord la fonction. Quelle est votre fonction? Quelle est votre tâche? Quelle est votre rôle? Ici quand nous sommes vous êtes appelés à jouer. Quel est votre équipement? De quoi vous êtes équipé? Amen. Amen. Ce sont ces choses-là. Mais écoutez, il y a tout un chemin. Vous savez, aujourd'hui, on n'enseigne plus les gens. On vous a enseigné ces choses. Peut-être que je le répète parce que je commence à vous répéter des déviations dans l'église, dans l'ensemble. C'est pourquoi il faut rappeler certaines choses. Moi, je fais que ces choses dans ma vie chrétienne, telle que je suis aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai observées dans ma vie chrétienne 35 ans aujourd'hui, dans la vie chrétienne, depuis que je suis né de nouveau. Amen. Comment vous devenez, pas vous devenez vous-même, vous devenez une nouvelle création en Jésus-Christ. Il y a une motion, il y a une motion, il y a une motion, il y a une motion. Amen. Amen. Écoutez, Yoka, vous voulez connaître le plan de Dieu pour votre vie. Vous savez, souvent je vous dis que pour avoir le succès, il faut connaître le but et et puis chercher à libérer votre potentiel pour et commencer à aider les autres. Comment tu peux aider les autres? Comment tu peux libérer les potentiels si tu ne connais pas le but pour lequel tu es créé? Oh, le but pour lequel tu es créé, c'est ça le plan de Dieu. Amen. Amen. Oh, tu vas connaître le plan de Dieu. Amen. Amen. La première chose, vous êtes appelé à naître de nouveau, devenir une nouvelle créature, comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Ça, c'est la première chose.
Frères, sœurs, mais comment c'est la maison de Dieu. Mais une fois que vous êtes là, la première question que vous pouvez poser, est-ce que je suis né? Est-ce que je réussis Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel? Amen. Parce que la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est ça la première chose pour être dans le plan de Dieu. Toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, ils ne sont pas dans le plan de Dieu, qui qu'ils soient. Ça c'est clair. Voilà les apôtres. Amen. S'il mourait aujourd'hui, il vivra tout droit avec un enfer. Vous savez, les jeunes, je n'étais pas avec vous. Mais je suis allé suivre une conférence où on m'a invité. Et il parlait de la préparation pour l'enlèvement des jeunes. Amen. Dans ses conclusions, il a dit ceci. Parce qu'il parle des choses qu'il a vues. Parce que l'ange l'avait pris, il l'a transporté dans la voie de la Et à un moment donné, il ne voulait pas je vais te faire. Tu vas mourir. Beaucoup de fois. Il a eu peur. Avant la vie. Et il commençait maintenant à transférer. La bâtisse, c'est qu'on peut couper, c'est un mot. Amen. Amen. Et moi, j'aime écouter. Je crois qu'au mois de juin, quand nous allons terminer le mois de sœurs, les deux mois intermédiaires, nous n'observons pas les événements. Je parlerai encore de ce message. Moi, j'ai toujours intitulé les événements futurs. Ce sont des choses que les gens doivent connaître. Beaucoup de gens jouent. Je vous dis la vérité. Et vous êtes appelés à écouter ces choses. Vous savez, moi je suis solide dans les choses de Dieu parce que depuis les matières, ce sont des choses que j'ai vu. Je me suis plongé dans les choses. Et quand j'entends quelqu'un qui est extrêmement qui n'y en parle, ça me réjouit parce que j'ai fait ces choses. Moi je les ai examinées. Ça me met à l'aise. Ça fait peur. Parce que quand vous commettez ces choses, certainement ça fait peur. Alors il a dit, en conclusion sur certains points, je vous l'ai dit même dans mon message aujourd'hui. Un des points, il a dit, aujourd'hui, il y a peu de gens au ciel, mais beaucoup de gens en enfer, et même de ceux-là qui prétendent être des chrétiens. C'est non, mais là, et bien, t'as la loi. Voilà pourquoi j'ai toujours insisté. Nous sommes appelés à proclamer l'évangile à la puissance de Dieu. Le salut est comme quoi. Beaucoup de gens. Vous savez, il y a même certaines personnes. Avant de mourir, il y a ils confessent encore Jésus-Christ. Que les gens croyaient peut-être que c'est lui qu'il prêchait. Il est un il fait encore un autre engagement. Ah, si tu te comprends, on se fait encore un peu. C'est quoi Jésus? Pour aller à Jésus. Je vous dis la vérité. Il y a bien solo. Il y a des choses. Vrai. Solo. Amen. Amen.
Mais il se tenait devant l'église. Mais pendant tout ce temps, il était où? Parce qu'il ne faisait pas les choses de Dieu. Il faisait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, ils ne font pas ce qu'il faut. Et ils se présentent devant les gens. Et voilà pourquoi on dit qu'il y a beaucoup de gens. Et là, ils sont beaucoup qui prétendent être l'église. Je vous dis, pourquoi les gens ne servent plus Dieu? Ils sont devant le peuple de Dieu, mais ils servent les diables. Amen. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. On est en train de chercher à entraîner dans ces histoires. Si tu veux que je puisse t'aider, entrer dans notre histoire. Et on s'adresse aux chrétiens. Mon frère, n'osez pas. Sinon, vous risquez de vous perdre. Et vous risquez de venir chaque fois à l'église prétendant que vous êtes chrétien, alors que vous avez déjà vendu votre âme à Satan. Et vous risquez les derniers jours. Vous risquez d'être trop tard de confesser. Parce qu'il y a d'autres qui ont la grâce de confesser. Ils confessent aujourd'hui. Et demain, ils meurent. Mais peut-être toi, tu n'auras pas cette grâce. Tu peux te retrouver dans une situation où tu n'arrives pas. Tu n'auras même plus à dire même les mots. Et ça ne sera plus possible. Alors que tu as vendu ton âme à Satan. Mais bien aimé, fais attention. Ça amen. Jésus revient. Mais il faut que la bonne nouvelle du salut soit prêchée dans le monde entier pour servir. Pour le moyen de la tribulation. Alors j'ai l'air de faire ça. C'était une de ses conclusions. Et amen. Et elle commence à dire pourquoi ces gens-là sont en enfer, alors qu'ils étaient des chrétiens, commence à dire des choses. Amen. 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 Des choses que nous observons ici à l'église. Que nous voyons parmi les gens qui viennent à l'église et qui sont des chrétiens. Amen. Amen. Voilà pourquoi le message de la repentance est toujours très important. Répentez-vous. Amen. Amen. Et j'ai toujours dit, la Bible dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est ça qui doit être votre marche de tous les jours. Amen. Amen. J'ai toujours dit aux gens, je vous remets dans votre bonne conscience. Amen. Amen. Car le dimanche, j'ai prié pour pour le reste, j'ai dit c'est important. Si vous devenez inconscient pour on a fini. Moi, je n'ai pas donné l'argent pour l'église que nous avons rénovée. Et tu viens chaque fois. Je vais te regarder. Mais je t'avais dit. Si ta conscience ne te dit rien, et tu veux continuer comme ça, c'est ton problème. Amen. Amen. Vous savez, oui. Le dimanche là, je croyais peut-être que la plupart des gens, quand j'ai vu la liste, il n'y a que 4 personnes qui ont seulement complété. Oh, bah, qui ça qui 4. Minéi. C'est même pas 4, si c'est combien? Oui, 4. 3 personnes. 3 personnes. Et les autres. Bon, dans mon sous. Et j'ai affiché les 3 là-bas. Les 138. C'est combien? On était à la 159. Ça, c'est 156 plus les 4. Les 3. Et les autres. Et dans mon sous. Ils disent, et c'est les dans mon profane. Yoka n'a pied. Amen. Amen. Un des points que cet homme de Dieu a dit. Les chrétiens veulent être bénis par Dieu, mais ils ne veulent pas donner. Comment Dieu vous bénit? Dieu veut que nous puissions lui donner. Ce qui est le premier, nous
disons la dire. Amen. Ce qui est le meilleur, et puis que nous puissions lui donner en grande quantité. On ne s'est pas arrêté là. Il a dit, celui qui donne à la pauvre récoltera beaucoup après et guérir. Mais les enfants de Dieu, ils ne peuvent pas répondre à Zambé, ils donnent peu, ils donnent sa bouquet, ils donnent pas le meilleur, ils donnent les moniales, ils donnent sa bouquet, ils donnent pas ce qu'il est. Ils donnent sa bouquet, ils donnent les moniales. Mais il va pas manger, lui a dit. S'il veut être béni, il ne faut pas pour être libéral. Et c'est le mot d'un tout au temps. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez que ce soit c'est important. Ils ont pu. C'est important. Ils ont pu. Vous ne devez pas, ils voulaient être bénis. Nous, on fait, c'était pas important. Mais vous vivez toujours dans le chômage. Dans nous, on fait ça, vous voulez faire comme ça là. Dans les systèmes qui vous mettent toujours dans des situations difficiles. Non, mais je viens de la parole de la place. Amen. Comme ça, il faut que tu en parler. Vous savez, moi, j'ai un peu de mal à dire que la grâce ici, j'écris. Quand on arrive à la gâteau pour moi, c'est pas comme des patrons qui viennent à l'église. Vous allez voir, quand on vient à l'église, des enseignements. Et moi, Vali, même si je deviens président, je serai avec mon bloc droit. Je peux prendre de bonnes choses. Si je ne le fais pas protocolairement, mais quand je vais rentrer, je fais mon carnet. Je vais écrire des bonnes choses. Amen. Amen. C'est ce qui a permis aux Japonais de se dire. Il retenait toujours ce que les autres parlaient. Il s'en servait pour ses rêves. Amen. 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 Il faut qu'il y ait des choses. Amen. Un autre point qu'il a parlé. Parce que j'ai fait un peu cette parenthèse dans mon message. Il a parlé. Il y a trois sortes de rapports. Ça, là, je vais vraiment tirer la question. Il y a trois sortes de rapports. R égale R plus R. R, c'est sur R plus R. Le rapport de Dieu est égal au rapport du chrétien ou membre de l'Église plus le rapport de son leader et son pasteur. Le rapport, il y a des amis, on a un rapport, il y a des amis à Christ, ou des amis là où il y a des amis qui n'ont pas de mains. Tu fais connaître ce que Dieu dira de toi. Le jour où il y a là-haut des chrétiens. Amen. Amen. Dieu ne dira que ce que toi tu dis. Rapport, et ce que celui que Dieu a mis devant toi, tu veux connaître le rapport de Dieu pour toi. Les gens s'en fichent. Amen. Amen. Mais quel sera le rapport de Dieu? Ça sera de votre d'accord. Toi qui as claqué la porte du Seigneur, toi qui as désobéi, qui s'est révélé, quel est le rapport de Dieu? C'est ce rapport-là que tu vois. Amen. Amen. Derrière ce pasteur-là, pasteur capitaine. Aussi longtemps que tu parles mal de cet homme, c'est déjà le rapport que tu as en train de faire, que tu vas considérer. Et qu'est-ce que tu dis de quelqu'un par rapport à son leader? Qui es-tu pour juger les serviteurs? Amen. Rapport que Dieu va considérer. Amen. Amen. Tu as quitté et tu commences à parler mal de ce gars. Que Dieu a mis en toi. Quel que soit ce que tu peux dire, comment tu es en train de dire. Amen. Si tu commences à les juger, alors que Dieu, c'est lui qui l'a placé là, c'est déjà le rapport que Dieu va placer. Deuxièmement, c'est le rapport maintenant de cet homme-là. Qu'est-ce qu'il est en train de dire de toi? Frère, je te donne un conseil. Ne venez pas à l'église, ton pasteur parle mal. Ce sera un bon rapport. Nous serons à terre dans la réunion.
Amen. Amen. C'est les rapports que Dieu considère. Les rapports de Dieu ne proviendront pas d'une autre manière. Ils proviendront seulement des gens que Dieu a placés devant vous, à qui il a remis l'autorité sur les gens. Amen. Amen. Et puis, il y a un mot pour le bali. Il y a un mot pour le bali. Il y a un mot pour le bali. Amen. Tant que le bali, si on t'en parle là, est-ce que nous avons le bali pour nous saluer en entier, alors que nous avons le bali qui est tu pour juger le serviteur? Amen. Nous verrons que Dieu va maintenant faire son rapport. Amen. Est-ce qu'il y a qui n'a bien? Amen. 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 Voilà pourquoi ceux qui t'ont choisi dans cette église, pasteur, non, à l'eau de la robe à ma cabou, ou bien peut-être après, si à cause de la vie, comme vous pouvez dire, Luca et Loko à l'eau, vous pouvez dire, pasteur, on est dans la salle à l'eau. Ça là où il y a pour ceux qui ont un rapport et un malade pour Nayo, c'est ça son rapport que Dieu va considérer. Amen. 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 Et l'autre rapport viendra de toi-même. Rapport aussi où dépend Nayo Moko. Allô, moi la racuna. Amen. Amen. Monsieur Mindeloki. Monsieur Bassimane de la Zaro dirigé Kodi Matsimi de la Bouaki. Kodi Makei. À même dans mon bal. Passer capital à Tikana rapport. À Tikana rapport, vous changez, vous dirigez à l'écoute, vous simagandez le Kendaka, vous soudonnez le Kodi, vous balinez au paillac d'église, vous simagandez le Mémie. C'est les rapports que Dieu va considérer de toi par ton celui-là qui t'a dirigé. Amen. Amen. Voilà la différence là où se trouve entre celui qu'on conduit et celui qui est en train d'être conduit. Amen. 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 Ça, je vous dis, je vais attirer votre attention. Vous dites, on va m'en foutiste qui parle ce qui. Vous êtes dans la église à moi-même. Pasteur Makambo à l'Obanayo, il y a une chose. Mais il y a un rapport déjà, et pas un et je suis allé entendre encore notre discours. J'ai mis ensemble tous ces enseignements, les leçons que j'ai tirées. Et avec ce que moi je vais enseigner, moi j'ai toujours intitulé cela les événements futurs. Je vais en parler. Amen. Amen. Pour essayer un peu de corriger certains comportements. Amen. Amen. Ce que Dieu considérera un jour, c'est votre caractère, ce que vous êtes. Amen. Ce que je voulais faire. Donc, ne vous vendez pas Satan. Parce que vous souffrez. Et quelqu'un vous dit, venez dans notre loge. Venez dans notre foi. Si tu veux que je t'aise. Et toi aussi, tu. Tu as vendu ton monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait? Donc voilà pourquoi la première condition, soit d'être l'église. Ne tenez pas l'église, soit que tu sois conscient. Toi, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, j'ai dit, c'était en 1980. Et je suis dans la 35e année de la maladie chrétienne. Amen. Et toi, c'est quand est-ce que tu as reçu Jésus? Peut-être ici, peut-être ailleurs. Et soyez conscient que Dieu a reçu Jésus. Amen. Personne qui vient l'église sans avoir reçu Jésus. Amen. 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 C'est très très important. Alors, deuxièmement, vous devez présenter votre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de Dieu. Et c'est bien vous pouvez s'apprendre votre maillot, mais avec les dames, les amours, vous y connaissez, vous pouvez l'entendre. Votre corps ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez pas. Et la Bible dit que votre corps est comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce qui sera de votre part, c'est-à-dire que vous pacifiez votre corps.
Amen. Amen. Et dire si Jésus, ce n'est plus moi qui c'est Christ qui vit en moi. Amen. Crucifiez la chair. Ne marchez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Que votre esprit qui est récréé puisse soumettre votre corps. Tu n'es jamais sauvé, tu ne seras jamais sauvé aussi longtemps que tu seras ici sur la terre. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Amen. 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 Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, les chrétiens sont toujours dans des choses jamais. Regardez comment des bars ressurgissent. Et là, aussi, même les chrétiens, ils font des choses comme les gens du monde. Ils montrent à la face de tout le monde ce qu'ils ne peuvent pas montrer étant des chrétiens, parce qu'ils montrent vraiment qu'ils sont plus spirituels, mais ils sont devenus charnels. Mais non, il faut présenter à Dieu votre corps comme un sacrifice. Il faut traiter durement votre corps, l'assujettir, les soumettre par l'esprit qui est recréé pour demeurer le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous conduit. Amen. Amen. On doit montrer que nous sommes les seuls de la terre et la lumière du monde. Et cela, c'est quand nous offrons à Dieu notre corps comme un sacrifice. Vous ne vous appartenez. Amen. Donnez gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. Vous voulez entrer dans le plan de Dieu. Vous crucifiez la chair. Si vous crucifiez la chair. Voilà pourquoi ne reflète pas le Seigneur Jésus parce que peut-être qu'ils sont nés de nouveau, mais ne crucifie pas. Et l'apôtre Paul avait dit, j'ai très durement mon corps, je le tiens sur lui, de peur d'être rejeté, désapprouvé après avoir prêché. Il y a des gens qui servent Dieu et qui, à la veille de leur mort, ils montrent comme s'ils n'avaient pas servi le Seigneur. Et la preuve en est qu'ils n'avaient pas crucifié la chair. Amen. Amen. Et comme l'apôtre Paul dit, je peux être rejeté après avoir prêché. Paul dit que beaucoup de gens sont en enfer. Alors que beaucoup de gens. Et tous ces chrétiens-là qui sont déjà morts. Pourquoi ils se retrouvent en attendant les jugements? Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu fais connaître le plan de Dieu. La première chose, laissez Jésus comme ça. Traitez votre corps. Amen. Amen. Et dites chaque fois, si je vis, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis par la force de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. Il faut renouveler votre intelligence. Par la parole de Dieu, c'est-à-dire penser différemment, avoir des valeurs différentes, des buts et des objectifs nouveaux. Et il y a des problèmes, et il faut que les gens ne soient pas ici, au contraire, ils ne sont pas au calisme, 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 ils ne sont pas au calisme. Amen. Renouvelez votre intelligence. Quand vous laissez de nous, c'est votre esprit qui est réveillé. Amen. Amen. Mais il y a des choses qui restent. Il a une âme et il vit dans ses corps. C'est l'esprit qui est réveillé. Mais quelle est la part de l'âme et du corps? L'âme et du corps. L'âme est sauvée chaque fois que vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Je répète, l'âme, ton âme est sauvée chaque fois que vous renouvelez votre intelligence par la parole de Dieu. Toi, tu renouvelles seulement une seule fois. Tu viens seulement les dimanches, les mardis, les jeudis, tu ne viens pas.
dans cette vie, tant que tu seras ici sur la terre, tu vas chaque fois se faire ton âme en délivrant ton intelligence par la parole de Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, la prospérité dans cette intelligence, et que tu sois en bonne santé. Donc ils ont fait le pas. Amen. Amen. Le salut de l'âme, ce n'est pas les jours. Le salut de l'âme, c'est tous les jours. Quand tu renouvelles ton intelligence par la parole de Dieu, il n'y a pas un autre chemin. C'est pourquoi il faut écouter la parole de Dieu. Il y a la parole qui peut sauver ta vie. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai dit que vous êtes dans une église solide, parce que vous avez un pasteur qui ne fait pas durant de vous prêcher la parole pour que votre âme soit sauvée. Vous devez en être fier. Vous renouvelez votre intelligence. Vous allez changer même vos valeurs. Parce que peut-être tu avais des antivaleurs. Tu étais quelqu'un de désordre. Ce sont des antivaleurs. Mais quand tu viens à l'église, tu écoutes la parole, ton intelligence est renouvelée. Tu vas maintenant mettre en ordre dans ta vie des valeurs chrétiennes, des valeurs de Dieu. Parce que ce sont les valeurs qui rendent le but possible. C'est comme les valeurs que nous avons dans notre église. L'amour, la croissance, le respect, la franchise. Amen. Toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qu'il faut cultiver. Sinon, vous aurez des antivaleurs. On dira, mais ça c'est quel genre de chrétien? Il est chrétien, mais on le voit avec des antivaleurs. Mais si ton intelligence est renouvelée par la parole de Dieu, tu feras preuve de valeur. Tu auras des objectifs nouveaux. Tu n'auras plus des objectifs comme les gens du monde. La Bible dit, dans Matthieu 6, dans toi. Mais ce sont les païens qui les recherchent. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils recherchent les choses du monde. Je dois aller chercher. Pour trouver. Si je ne sais pas. Alors que vous, Dieu vous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout ce que les païens recherchent là, Dieu va vous les donner. À manger, à boire, à se vêtir. Vous les donnez si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Les païens, ils ne connaissent pas Dieu et ils s'engagent chaque fois. Amen. Elle peut aller même faire du mal à quelqu'un pour avoir la chose. Et il va exprimer des antivaleurs. Mais un chrétien ne peut pas exprimer cela. Un chrétien, quand il se trouve avec Dieu, je l'ai mis à la première place. Tout ce dont j'ai besoin, il pourra tous mes besoins selon sa richesse avec moi. En Jésus-Christ, il est maître pour nous. Tout le monde est différent des gens. Amen. Votre intelligence qui est renouvelée sera comme vous conduira à votre place dans le corps comme un radar guide l'avion sur la piste. Si un avion n'est pas guidé par Vous comprenez? Ce sont les... Parce que c'est les radars qui comprennent. De la même manière, ce n'est que ton intérêt qui t'aide à bien connaître ta place dans les corps. Parce qu'ils font le travail, mais ils ne sont pas à la place. Pourquoi?
de Dieu à travers la qualification
des gens. Bah Ecclesia, il y a moi et la carte. Nanguya et Dame Nanzela Bato Bah Yemi Penamosala. Amen. Amen. Les Ecclesia. Grande Colata. Premièrement. Yangoso. Par la puissance de Dieu. Nanguya et Dame. Amen. Amen. Voilà pourquoi je parle de, du thème. Les églises grandissent par la puissance de Dieu. Mais à travers la qualification des gens. C'est-à-dire votre qualification. Amen. Amen. Votre qualification. Quelle est votre qualification? Et là, je parlais du savoir-faire qui apporte le succès. Nous voulons voir le succès. Ça dépend du savoir-faire des gens, de la compétence des gens. Est-ce que vous êtes compétent? Même dans les choses, de quoi vous ferez preuve de votre compétence? Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit que vous êtes appelé à être équipé. Amen. Amen. Vous avez besoin de l'équipement parce que c'est l'équipement qui vous rendra compétent. Amen. Il y a la puissance de Dieu. Jésus-Christ devrait rentrer. Rejoindre son Père. Après avoir accompli sa mission. Il est venu détruire les œuvres. Frère, je vais te rassurer. Je vais te dire. Si tu reçois Jésus, Jésus, c'est lui qui est venu. Sa mission, c'était de venir détruire les œuvres du diable. Amen. Mais pourquoi les gens suivent Satan? Celui qu'on a détruit ses œuvres. Au lieu de suivre celui qui a détruit ses œuvres, Jésus. Moi je ne comprends pas. Mais ce sont des bateaux. Mais pas qu'il y a un occultisme, pas qu'il y a un macamamapé, pas qu'il y a un bablocanganga. Pas qu'on ait battu que hier soyez qui pourra détruire Misalaya Satan. Le mot qui n'est pas un mouton, mais détruisant la Bible. Moi, on a été posé la C. Amen. 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 Mais il faut la polonaise au Québec et pas il y a Oyo, ben baby sans misala naé. Oyo, tant mieux soit baby sans misala naé. Naé misala Oyo le bali, c'est un ennemi vaincu, défait, détrôné, dépouillé et anéanti, paralysé sous. La terre qu'on a eu. Bon, si vous regardez dans la soupe avec Nanga, vous trouvez la lettre dans le moins grave veste dans ma bien. Celui qui est l'auteur du mal ici sur la terre, c'est Satan. Oh, Azali, maintenant, mon colo est mappé à Namokili, les amis de Satan. Il s'appelait d'abord Lucifer. On a dit Lucifer, Azali dit mon gars, moi, qui dirigeait. On a dit mon camp, président, Louyembo. Mais il a été expulsé. Il est venu à la Lola. Amen. Amen. Gars, comprenant, tu es même tard dans mon coup, c'est bon. Nanyaza auteur ya makambuyama mapé nanobino azalaka Lucifer akoma Satan a diabolo. Amen. Amen. Yesu oyo yo nazote ya yo ya mbaloko la mokontipe mobiki. Bible le dit Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et Yesu pa ya ki a bébé sa misala ya Satan. Amen. Yo ningini muta ko ko sa yo lobi o kende pa ya diabolo o ba bébé sa misala o yo ndi mamoto yo a bébé sa misala na ye le roi des rois le seigneur des rois. Moi je prêche Jésus-Christ au mandat suprême de l'amour.
Amen. Amen. Je suis un de ces généraux dans cette armée d'occupation. Cette armée qui ne s'est pas prise. Parce que lui, il a déjà combattu. Il a vaincu. Et nous faisons que Amen. Pour démontrer la réalité de sa défaite. Amen. Amen. Allez, écoutez très bien. Avant qu'il ne rentre chez son père, ne partez pas. Vous avez été avec moi. Vous enseignez dans la vie. Même si ça viole, ne soyez pas pressé. N'allez pas encore. Restez à Jérusalem. C'est là où l'Église va. Restez là. Parce que c'est là. Vous serez équipé quand vous allez partir. Alors à ce moment-là, et ça vous coûte mort, on vous la caille, il y a diable. Ils ont commencé leur ministère, mais n'était pas répété. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens qui ont été mis en place. C'est parce que, Vous savez que moi je suis une autorité spirituelle dans ce pays. Je suis un membre fondateur de l'Église du Réveil du Congo. Amen. Amen. Et maintenant je parle en fonction de cette responsabilité. Même si je ne réunis pas avec les autres. Amen. Amen. Même dans la vie professionnelle, dans le monde, pour aller travailler, tu dois avoir des compétences qu'on va reconnaître. Amen. Amen. Mais dans le travail de Dieu, Jésus a dit, les disciples attendaient les jours de la Pentecôte. Ils n'attendaient pas autre chose. Comme aujourd'hui, les gens attendent qu'ils soient remplis de l'esprit pour qu'ils commencent à parler en langue. Non. Maintenant, il ne faut plus attendre d'être remplis de l'esprit pour parler en langue. Le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, c'est un don. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don que tu peux recevoir instantanément sans attendre. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez la solution? Baloba qui n'a pas eu pour l'Ibas et l'Ana Jérusalem pour Bazala baptisé du Saint-Esprit. Bazala équipé. Amen. Amen. Banamo Colonati Lelo. Le baptême du Saint-Esprit, tu le reçois instantanément si tu crois. Jésus avait dit, venez et buvez. Qui peut me dire s'il est capable de parler, s'il est en train de boire? Est-ce que tu es capable de parler quand tu bois? Je vais aller vers mon appel, ça vous aussi bon. Banda vous met la seconde au bas. Est-ce qu'on le bat? On s'abonne. Bah, je vais aller vers ma pièce à la mort. Il y a des gens qui venaient et vivaient. Oui, là. Alors, toi, tu viens parler là, je t'ai dit, venez et vivez. Il y a des gens qui là. Amen. Amen. Est-ce que vous avez le bas, ceux qui ont mis la main? Parce que vous avez continué le bas,
toujours lingala français ou bien mon bakoka ou bien mon bara. Oh le bon bara sika nenge. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que vous comprenez nenge? Son ligolo ba mon bara sika. Amen. Mon oko nenge makambo lo baka, lo ko mutu sa zemi na maye sika bolo ba. A bolo ba. Yo pe son ligolo ba mon bara sika. Lo ba mon oko oyo mo libo ko pesa yo. Oyo bibisa. Amen. 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 Donc on voit qu'on continue le bambou loco le baraté. Eh maman, oh Yesu. Est-ce que c'est comme ça les gars? Le Saint-Esprit va te donner les mots à exprimer, les paroles à parler. Et quand il va commencer à exprimer cela, c'est ça les parler en langue. Et c'est ça qui atteste que tu es baptisé du Saint-Esprit. Acclamez très fort le Seigneur. Dieu est la ligne de prière. Tant mon nom. Je suis là, caliban mon nom. Il y a une ligne de prière pour le nom. Dans le vide, venez et vivez. Il y a qu'à Mela. Vous suivez sur le nom de Mela, est-ce que ma caméra est mon nom? Vous suivez sur le nom. Est-ce que vous êtes là? Pour le moment, pour nous viser avec moi. Mon nous sommes en plus de ma douleur. Ni nous nous viser à quoi? Jésus a dit venez. Dans le Biyaka, on est là. On est là. Tu seras brevé de l'esprit. Et tu seras baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en Biyaka. Amen. Amen. Toi, tu parles en langue, tu n'es pas bébé en langue. C'est grave. Vous avez une caméra. Yo, ça va, le bambou, le bambou, le bambou, le. Qu'est-ce qui te pousse à ne plus parler en langue? Tu es devenu charmé. Tu as des problèmes dans ton cœur. Tu ne marches pas dans la boue. C'est vrai, pourquoi tu freines? Tu as triste le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu ne peux plus freiner cela. Ça a été déjà donné les jours de là. Pentecôte. Est-ce que nous comprenons? Après la Pentecôte, si mon personne ne peut vous dire, c'est la seule qu'on dit au Bamou Rassika. Dès au Kouyou, au Bamou Rana, Erwana. Sokyo, lié sur le bâti véné et vivez. Soko Fongliga, mon nom, mon livre, mon nom, mon nom, mon nom. Amen. Tu peux même balbutier. Oui, mais c'est déjà le parlant. Mais c'est déjà le parlant. Amen. 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 Ndeko, c'est une grande bénédiction pour les croyants et pour l'Église. Pour l'Église. Bien que beaucoup de choses mauvaises sont entrées dans l'Église. Vous savez, moi je suis. Je suis là. Amen. Vous savez, samedi ici, je suis dans Sangomalam. Un homme qui était dans l'occultisme. Il a même écrit un livre. Je l'ai suivi. Il a invité les gens quelque part à une. À l'œuvre de Batoussous, parce que lui, il est allé prendre des histoires en Inde. Et tant que Kéikuna, Azoloba Batoussous, au monde, il n'y a pas de quand même dans l'église, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a ceux qui ont fait ou bien faux. Alors, il y a un peu de Amen. Mais il faut préciser à l'obi, suivez ces hommes de Dieu-là. À la fin, s'ils terminent leur parole, ils les terminent avec leur Dieu. Là où ils sont allés prendre des histoires. Il a parlé ça là. Moi je suis ces choses là pour essayer un peu quand je viens ici que vous ne soyez pas déviés. Amen. Amen. Il a dit ça. Mais peut-être il y a d'autres quand ils vont entendre ça, ah que nous avons et ils avaient des heures. Mais non. Les chrétiens ont besoin et l'Église a besoin d'être baptisée du Saint-Esprit. Vivre le
Si l'église est remplie de l'esprit. Amen. Amen. Et avec l'évidence du parlement. Qui est celle d'Okila qui perd? Qui est ce matamama BNDR de Wimou Zabisika? Et vous allez parce que la puissance de Dieu va détruire tout ce qui est du diable. Acclamez ton fort, c'est ça la vérité. Amen. Acclamez ton fort, monsieur. L'église est remplie de l'esprit. Oyo ya Satan na ya misala mabe konjou ko zala bisikana te pwe ko supporte nguya na Nzambe et ko bebi sama. Amen. Si l'église est devenue faible aujourd'hui parce que l'église n'est plus remplie de l'esprit comme ça a été dans le passé, alors qu'on doit être rempli continuellement. Comment? Quand on est uni dans l'amour et on prie. Amen. Amen. On doit être uni. Amen. Jésus a dit, attendez à Jérusalem. C'est là où on attendait pour les jours. Il y a les sujets qui s'avisent. Après ces jours-là, on a pu attendre directement, chercher à être rempli de l'esprit. Amen. Et quand tu es rempli de l'esprit, il vient sortir à ténèbres pour symboter. Parce que vous êtes en train de vous détruire. Ça, c'est la vérité. Amen. Et l'église, toute l'église, quand nous prions dans l'unité, c'est l'effusion du Saint-Esprit qui est là. Amen. Ce qui me sert à ma bête, mon ami, ça m'a bien réussi pour dire ça. Sauf que ma bête, au moment où on a besoin de la classe psychiatrique, ma coquille, parce que ma coquille est supportée présente, c'est un temps bêté, et ma couille est un temps bêté, parce que c'est une église qui est dans la prière et dans l'unité, et il y a la vision du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Mais je vous ai dit ceci. Suivant les schémas. N'allez pas commencer le ministère si vous n'êtes pas équipé. Comme si vous avez bouffé parce que vous avez équipé de votre sang. Vous avez document que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que parce que tu n'as pas été équipé. Jésus a dit, attendez à Jérusalem. Là, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. C'est un don. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un don pour le salut. Aussi la guérison de Dieu. Amen. Amen.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit bien. Être baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler. C'est un don comme être sauvé. On est sauvé non par vos forces. On est sauvé par ce que Jésus qui n'a pas connu les péchés. Dieu l'a fait devenir péché. Et si tu acceptes Jésus, au cause de la sauver. Amen. C'est un don. Amen. La guérison divine, c'est un don. Si on a la bonne santé, ça n'est pas bon. Et puis ça met la main parce que Yesu, et ça me m'a pas passé dans ma pipi na yé. Dans ma pipi na yé, je suis dans pipi ça m'a exactement. La bonne santé, c'est un don. Le salut, c'est un don. Les handicaps ont des choses à Manango parce que tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et tu as droit d'être béni de la bénédiction de l'éternel qui a cherché que cette bénédiction devienne seulement réalité là. Amen. Est-ce que cela n'a pas bien? Amen. Et donc, ils adorent, ils ont la récompense qu'on mérite à vous. Nous n'avons pas mérité le bicoté. Nous n'avons pas mérité le bicoté. Pour nous, nous avons adoré ces pésames. Pourquoi pésames? Parce que Jésus a pris mes infirmités. Il s'est chargé de mes maladies. Et par ses maîtrises, j'ai été déjà. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse, l'humilité, amen, la maîtrise de soi et la fidélité. Ça, tu dois mériter ça. Ça, tu dois être récompensé par ça. Tu dois produire, fournir le fruit de l'esprit à toi. Tu seras récompensé par ça, par Dieu. Ah non? Amen. Amen. Mais non, on va pisser au feu, les balles compensées pour les papes, on va pisser au feu. Mais je pense que vous vivez à côté de la sœur, les ânes, nous sommes là. Amen. C'est très bien, c'est bon. Jésus a dit, Jésus a dit, mes disciples, vous n'allez pas annoncer des choses que je vous ai dit. Ne soyez pas pressés. Il a dit que nous allons avoir la lecture de Dieu. Ne soyez pas pressés. Il y a pas de qui passe à tout à mon piment. Il n'y a pas de la vie. Oh, vous connaissez le ministère, vous. Oh, vous n'avez pas de la vie. Vous n'avez pas de la vie. D'accord. Non, d'accord. Vous m'entendez surtout à y en avoir. Comme il y a des gens qui sont dans le ministère, il y a des gens qui sont dans le ministère. Peut-être aussi, il y a des gens qui sont favorisés à la nous sommes en train de multiplier les gens qui sont dans le amen. Mais pour le bateau, les gens qui sont dans le bateau, ils sont dans le bateau. Amen. 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 Est-ce que vous en avez bien? Il y a vraiment besoin de temps parce que vous êtes équipé. Et dans le cas où nous avons une église à battre, nous avons des instruments. Nous avons des lignes surtout. Waouh, mémé! Le waouh, moko, 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 mo
Amen. Azwa na ba instrument na ba nini lo ni so wa amemi akif. Parce que tu n'étais pas équipé, tu as trouvé que j'aurais l'argent quand je vais commencer à prêcher. Mais non. Amen. Amen. Mais non. Nous avons fait un rapport. Nous avons l'église à Memaraba, un instrument à Banini, rapport à Nzamba, aux Epaïna, et au changer. Et au changer. Et au changer. Et au changer. Ceux qui étaient écotiques à la caca. Amen. Amen. Vous savez, vous avez dit que 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 vous avez dit capital rapport avez dit que vous 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 avez dit parce que vous avez pressé. Pourquoi vous avez pressé? Vous avez dit que 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 vous avez dit vous avez besoin d'être équipé. Amen. 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 Alors maintenant, je vais vous dire comment l'équipement c'est quoi. Quand vous lisez Romains chapitre 12 à partir du verset 3, amen. Jusqu'au verset 5. Vous verrez que là, vous êtes appelé à connaître votre place dans les corps. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes en Arabie? Amen. Frère, pour ça, je suis en place de Christ. Il y a un Christ. Il y a un Polo, il y a un Amen. Amen. Quelle est votre place? Quel est le rôle que vous êtes appelé à jouer dans le corps? Vous devez vous poser cette question et répondre à cette question. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Vous place, mes amis. Il y a un Christ. Il y a un Polo. Les amis, et bien tout ce qui peut ma place, nous avons battu ma moitié. Amen. Vous voyez une place, partout où nous avons battu ma moitié, et bien c'est qu'à vous, nous avons battu la partie. Vous voyez, vous voyez l'histoire en haut. Frère, et ça, nous avons battu la moitié, ma carasse, mon amant. À ce moment-là, la télévision, et ça, nous avons battu la moitié, nous avons battu la moitié, nous avons battu la moitié, nous avons battu la moitié. Parce que tout dépend de moi, c'est moi qui coordonne. Qu'est-ce qui suis banni? Tant le numéro sur le beau paillet avec yo, si on a tiré le côté, est-ce que vous allez le colombal, si on a tiré le côté, est-ce que vous allez moutra mouta, tiens mon nom. Bon, si vous m'en avez tiré la place, vous allez porter la musique. Amen. Si on commet la situation, vous touchez à ça. Pas de vivant. Ils ont parti, nous se tuent. C'est ça connaître votre place. Dieu veut que tu puisses connaître place. La Bible dit, vous êtes l'ouvrage de Dieu ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Et que vous êtes appelé à pratiquer. Et lorsqu'on dit Nzamba sala que yo pratiqué, oyo ayeba ko bongisa yo d'avance. Ya wana de sengele yo ba ko sala po pambolama. Mais vous ça, ma camusus. Vous détruisez tout. C'est ça la fonction, c'est ça votre état. Restez là où Dieu veut que vous soyez. Kozalate ndeko, nambalamoko ba nyam so tika bango awa. Yo ko likiba ba mono ko ministre. Yo ta mozaba yo ta côté sur une impression de la vie. Parce que le ko comme quelque part yo ko côté à continuer sur même la télé, na internet côté. Ah! Amen. Tu ne sais pas rester à ta place. Est-ce que vous en avez raison? Faites les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça va, ça va, ça va. Est-ce que vous en avez raison? On nous parle de la parabole du talent. C'est le talent, c'est un talent dans Luka Oyeba. Nous avons appelé sur le talent 5 ou bien appelé sur le talent Mibane ou bien appelé sur le talent à Mokov. Est-ce que nous comprenons?
C'est ça, connaître votre place dans le corps. On vous a donné combien de talents? Ne dites pas que tu n'as pas les talents parce que même un seul talent, Dieu t'a donné ça. Mais comment tu es en train d'utiliser cela? Qualification bateau aux yeux de cette église aux autres salles à la ni effet de l'énergie 1% effort dans le wapi yango on le donne en temps à faire ça qui nous dit n'ambe à potou n'a eu rendre compte n'a eu l'eau à tchakati n'a eu aux autres talents même temps mon corps même ton pégan n'a eu ça n'a eu ça n'a eu ça n'a comme tu vous savais mais pour la moto nyonso toko rendre compte n'a jambé na place au Tchabiso. Après ça, on va être 4, 5, après ça, 2 ou bien après ça, Moko. Moko, on va dire que le soit talenté. Tu dois rendre compte, même d'un seul talent. Quand le talent est Moko, après ça, qui nous. Pas l'intérêt, qui est intérêt composé. Sauter une fois, on a pas l'idée de porter l'intérêt. Amen. Amen. Je vous ai parlé de la nouvelle intérêt composé. Intérêt composé. Amen. Amen. Lui, là aussi, ça aussi. Il y a un coup d'être en train de on l'a qualifié de mauvais soins. Frère, il faut que tu aies à tenir les lots. Même quand on a un salon dans le pays, on a pressé que nous sommes dans le pays, alors qu'il n'est pas parti de l'enfer. Mais il faut que nous ayons dans le pays, il faut que nous ayons dans le pays, dans le pays. Amen. C'est ça ta place dans le corps. Tu dois jouer ton rôle. Ne te méprise pas, tu as de la valeur. Même si les autres t'ont méprisé comme ils ont méprisé la niche, mais il a son rôle à jouer. Et quand il voulait jouer son rôle, les autres étaient en débandade. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, tant que vous fonctionnez, tant que vous placez dans les autres, tant que vous tâchez, tant que vous missionnez, il dit que vous avez un talent boni. Amen. Oui, pour tout ça, vous avez un temps à faire ce que vous révéler par rapport à votre source. Amen. Nous avons comparé des autres fois que il y a un gars qui a besoin de l'ingé, il y a besoin de l'ingé. Mais n'a pas pressé, il y a un gars qui a besoin de l'ingé. Vous avez un gars qui a besoin de l'ingé. Amen. Amen. C'est l'utilisation. C'est ça qui importe aujourd'hui. Donc pour toi, quand tu es là, comme on dit, l'église s'agrandit par la puissance de Dieu à travers la qualification des gens. Quelle est ta qualification? Pour connaître ta qualification, tu dois connaître quelle est ta place dans le corps. Quand on sait que nous avons une place dans le côté, on peut transmettre le bateau et le corps. Amen. Amen. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance, que tu les appelles à pratiquer, ce sont ces œuvres-là. Les dons que Dieu t'a donnés, tu as combiné des talents. Cinq ou combien? Amen. Deuxièmement, tu dois être équipé. À part le fait de connaître le but pour lequel Dieu t'a créé. Amen. Tu dois connaître. Parce qu'on est dans les camps, tu vas donner un talent. N'a pas besoin de voir les bits, mais on va donner un talent, un point fort. Amen. Si tu le fais, tu connais le but pour lequel tu t'as créé. Tu connais ta place et tu vas jouer ton rôle. Deuxièmement, tu es équipé par lequel ton. Parce qu'on a parlé, soyez revêtus de la puissance d'en haut. Quels sont les dons que tu bénéficies dans ta vie pour aider les autres? Après Romains chapitre 12, verset 3 à 5, on parle de 6 à 8. Amen. Balobi kokende yeso abi bokende na lute ceux qui vous a équipé. Bon, nous capons vous a équipé. Boyeba, est-ce que vous en avez donné en gai? Oya molimo. Amen. Et dans Romains chapitre 6 à 8, on commence à évoquer ça. La prophétie, les dons des services, les diaconats, comme les diacres et les diaconesses. Amen. Amen. Les dons de l'enseignement, comme vous l'enseignez. Amen. Les dons de la direction, comme de l'administration. Savoir diriger les gens, savoir mettre l'administration. Les dons de la miséricorde. Amen. Amen. Voilà ces dons-là qu'on a énumérés. Mais tout n'a pas donné aux anango. Frère, si vous avez un don dans l'école, vous avez formé, vous passez dans un don pour enseigner. Amen. Amen. Les dons primaires. Amen. Amen. Ou les dons principaux. Quel est ton don principal? Dans ce don principal, il y a une prophétie. Mais pour ça, il y a un mot mingi. Il y a un mot.
Romains chapitre 12, verset 6, 7. Puisque nous avons des dons différents, oui. Selon la grâce qui nous a été accordée. Selon la grâce qui nous a été accordée. Et celui qui a les dons de prophétie. Prophétie. Ça continue. L'exerce selon l'analogie de la foi. Ok. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. C'est-à-dire que toi, avec un service, nous salons, nous avons des qui connaissent. Oui. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Enseignant, c'est un don. Exécutement. Quoi? Que celui qui exhorte à l'exhortation. Exhortateur, vous exhortez par vous, vous édifiez par vous. Amen. Et ça donne. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Pour payer ça. Ne pour vous, vous avez un peu de temps pour payer ça. Dans ce point, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Tant que ça y est, la catéchisme peut être le jour, mais tant qu'on va voir la coupée, ça va. Pour y avoir le dans la classe, il y a coupé, ça va vous cabre. Ça y est, la montagne, par contre, on va voir la balle de soudé. C'est ça la libéralité. Et ça, équipement, on va faire ça avec la balle. Amen. Continue. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Pour être présidé, à être dirigé. Pourquoi on va dans sa place, à être dirigé. À ça, on a zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui, je suis là, à ça la miséricorde, à ça la maroua. Je suis si qu'il te va nous dire qu'il est plus tard, il va se souffrir. À bout de la foule, à la maroua. Amen. C'est ça la miséricorde. Voilà les équipements. Badegnango, les dons principaux. Mais tout la zone principale dans la vie, dans les awapi, pour l'année la passage jour. Mais les dons principaux dans les années enseignés. C'est mon don principal. Mais quand ça l'entend, la don principale, tant que c'est sa prophétie, tant que c'est sa miséricorde, tant que c'est exhortation, tant que c'est la vie qui a donné le service, tant que c'est la vie qui a donné libéralité. Comment on a dit ça? Ah, le ministère de la libéralité, la tchèque va plus va couiller. Va qui va la salle de la mousse. Vous voyez que les choses sont plus en forme, on a eu pour la mousse à l'entendre. Et ça, équipement, on prend le temps d'écouter. Nous avons fait ce qu'on a dans la prison de la bombe, mais il faut continuer à monter ça. Amen. Bien que nous sommes sérieux que ça va dire dans nos flancs, mais ça, la moto, elle a dit qualifié, non, mais équipé, dans le don principal, où ils allaient enseigner, où ils allaient appeler sa gamme, où ils allaient prophétiser sa gamme, à prophétiser. Vous devez dire à ce qu'on a prophétisé. Pour le bien, nous sommes le capot dans la nouveauté. Amen. Ce que ce qu'on a fait, nous avons fait dans la vie. Donc vous voyez les dons dans la principauté. Il y a un peu de dons à motivation, motivation. Et ça, principal, au malheur. Amen. Amen. Est-ce que tu l'as dit bien? Amen. Donc même état, yo, on le dit au père, il n'y a comme un pasteur, au cours de pasteur, mais on a équipé, on a don, nini. Tant que ça, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de Et ça, ton principal, Nayo. Nous avons un copain pour nous, Nayoana. Amen. Et ça, la carte à Bible, équipement, il y a un mot, Amen. 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 Oui, il faut diriger, Batou. Oui, Batou, soit dirigé, Batou, mais maintenant, il faut diriger. Bah, il y a l'administration. Il faut avoir les dons de l'administration. Amen. Amen. Non, 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 dons de l'administration. Maintenant, le moment de l'église a l'air. Péba! Parce que. Moi, on a dit que ça, par rapport à la poste, mais vous voyez bien le côté. Zéro! Amen? Amen. Moi, j'ai la grâce d'administration. Je suis un homme très orgueilleux. Je connais l'administration parce que j'ai fait les commerciales que tu m'as préparé dans sa chose. Amen? Amen. Pour aller et l'on se trouve trace ses amis. Est-ce que vous en avez dit? Amen. Trace ses amis. Parce qu'il y a un film où tu as ça à la choix. Vous avez choix dans la classe. Tant qu'on a dit la classe. Et maintenant, il y a un peu classe, dans 600 classe. Oh, les amis, vous voyez l'administration bien. Amen. Donc, comment ça va le dire, Tika, la réponse à l'appel. Il y a un Tika 18 ans. Amen. Amen. Mais dans la grâce, voilà pourquoi le ministère n'a pas remplacé la carte. Touche, il y a des campagnes administratives, il faut ça. La ligne, on va avoir un chiffre.
nous avons une église à la paix, vous êtes, vous êtes la beauté. Nous sommes tous pour moi parce que ça, et ça touche dans la vie. Amen. Il y a administration. Et ça touche dans la vie, il y a finance. Parce que dans la salle, on va finance. Nous avons dit pour compter. Et touche dans la vie, ça, on a été même dans la vie, ça, on s'est ensemble. Nous avons dit que 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 des chômeurs. Amen. Et puis, revenir à Congolais moyens à combien? Un Congolais moyen vit avec 1,4 dollars. 1,4 dollars. Et nous, on va dire. Donc, année mobile, Congolais a touché à 500 dollars. Sauf que vous divisez 500 divisé par 365 jours, et puis c'est 1,4 dollars. La réalité, je tire cette information des gens qui ont cette information qui les nous donnent. Amen. Je ne parle pas en l'air. Je suis aussi un économiste qui peut bien interpréter ça parce que c'est aussi un économiste qui donne cette information. Au vivre dans 500 dollars, Namboula Mopimba. Frère, est-ce que vous êtes troublé au thé? On a vivre dans 500 dollars, donc 1230 sur combien, donc plus ou moins 1300 dollars par jour vivant là-haut. Hein? 1300 francs congolais par jour. Effectivement, nous sommes dans un petit bout, un franc congolais civilité. Sur la CMB 500 francs, Et si on a des choses à vivre, alors que monsieur va vivre au moins 7 dollars par jour. Amen. Au moins. Mais puis sur 1,4, va bien qu'on est tous là pour fréter. Alors pour fréter, c'est que vous allez tout chasser. Alors voilà pourquoi il ne faut pas se confier par la vie sur ma pasteur. Pour moi, il m'a dit que je prophète dans mon chassé. Fais ma terre, mon terre pour prophéter qui m'a droit de la donner là, richesse. Pétez l'envoi de ma bouche. Acclamez le fond. Je peux bien puiser les informations et bien les enseigner aux gens. Parce que c'est ma grâce. Amen. Amen. Je suis en train de voir comment apporter ma solution pour faire de ce pays d'ici 2030 un pays émergent. Et pour moi, la solution, c'est faire de vous un entrepreneur indépendant. Amen. PDG de vos propres affaires. Et quand vous deviendrez PDG de vos propres affaires, vous allez commencer à créer là la richesse. C'est ça. La créer la richesse. Et les gens qui peuvent créer la richesse, ce sont des entrepreneurs indépendants. Ça partit le 1er juin. Vous en avez bien. La première ministre était, on a dirigé beaucoup, on va faire ça, on va faire l'économie. Maintenant, après ça, il y a peuple. On a dit, 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 on a enseigné pour nous donner là, pour traiter. Parce que j'ai la grâce d'enseigner. J'ai le don de l'administration. Quel est ton don? Tu es un prophétie, tout le monde a la prophétie à mon Dieu, il faut détailler. C'est sûr. Ceux qui ont un salaire, tout le monde a un salaire. Ceux qui ont un service, tout le monde a un service. Dans le monde a bien. Ceux qui ont un soutien, fais ça dans l'amour. Yoka. Yoka. Parle bien à Missouri. D'abord, prophétie selon l'analogie de la foi. Deux, ministère. Trois, pour enseigner. Quatre, pour exhorter. Cinq, pour Pessa. Six, pour Kamba. Sept, pour Pessa. Oh, il a dit, dans la miséricorde. Et nous sommes venus au sens hypocrisie. Amen. Amen. Donne à Yéza, ni Nzamba et qui parle dans les locaux, ni. Sauf que vous êtes en train d'équiper, vous tournez en rond aux autres Lucas, Vira et Boga, alors que Tiamo est dans les lots comme ça, la Tchakatina. Amen. Et troisièmement, il y a aussi ça, la vie. La vie du ministère.
Vous allez vous équiper. Vous allez vous équiper, vous entendez la place là. Vous allez au Polo, ou bien vous allez à Nice, ou bien vous allez ceux qui lissent, ou bien vous allez lire. Amen. Vous avez pris ce que vous avez dans la place. Amen. Après, donc, il y a une question principale, mes amis. Donc, là, vous allez avec la dor, il y a une différence. Regardez, il y a une différence qui va les habiller. Amen. C'est mon don de la différence qui fait ma différence par rapport aux autres. Il y a une différence, et que c'est ça, on va vous ces amis. Ça n'est la guerre, nous n'avons pas pour la bateau. Amen. Est-ce que nous comprenons? Après la lobby, si vous voyez la fête église, le bon église des âmes d'autres et Christ, tous les membres, nous avons un membre, nous avons un membre, nous avons un équipe, nous avons un membre, nous avons un ministre, il y a cinq ministères d'autorité, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, pasteurs, docteurs. Et ça a cinq ministères d'autorité. Amen. Si vous voyez dans cette église, si vous lingi vous avez bien, 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 cinq ministères, vous avez équipé. Vous avez équipement bien pour que vous avez bien. Si vous avez bien, vous avez capitaine, vous avez docteur, après pasteur, tant on a eu, yo 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 kamate, femme na yo kamate a pour osoir, équipement pour salam salam zambé, bien. Quand le bateau kei, on revient à comme indépendant. Parce que indépendant, l'autre osa lié d'accord. Moutaza indépendant, ça va lié, ça va jamais indépendant, ça va toujours interdépendant, n'a pas parti, monsieur Suya, yam d'autre. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Yo, monsieur salam zambé, yo, voyez, vous salam, vous êtes équipé, vous êtes un pasteur, on t'a pas dit dans le ministère. Si on a arrêté nous dans le Seigneur, il y a un peu de temps, on va le modérer, on va le salaire, on va le salaire, on va le salaire. Nous avons besoin de nous équiper le bateau. Si on a un peu de temps, amen. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous avons besoin d'équiper le bateau, nous avons besoin de nous faire l'année. Nous avons besoin de nous faire l'année. Si on a besoin de nous faire l'année, nous avons besoin de nous faire. Yo, 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 ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans l'un des cinq ministères pour l'autorité dans la quantité pour les missions. Au côté de comment le ministre va la reconnaître, mais est-ce que vous avez un ministère? Le roi n'est pas la bénin, vous voyez l'histoire de la peine dans la bénin, et ça dit. Na kota na rang na ngai na kurso ya ngai lelo yoza na rang ya ngai po na ekipe yo so lelo yo koma na rang na yo gloire à Dieu. Amen. Mais pour ça on a des ordres, hein? Oui. Tu dois d'abord être équipé pour bien servir. Amen. Parce que tu n'as pas été bien né pour bien servir. Est-ce que bonjour la namaki? Amen. Est-ce que ça va monter mon nazoro? Monsieur Aloba na moisine, bima kende, ngande mtabinga. Eh, ngande mna ekipa kayo, na bonde la pona yo. Yo, momoni ba resultant ya moyo. Amen. Obanga su mutito yo na su mutete so moisine ozagine tsika, benga na boki na tribunal. Monsieur mona lettre lo kwa. Ntamba la peine. Shunga baile. Ganga ntambe. Ngau tu achever ikutu. Na la taban tambala de milier croix sur betiangwa kotia yuzo na croix sur le kambu ni ikabu na ekipa ki yomone la ta croix mais le ko bima ina ndenge na ndingo sama na ndenge na yo voilà ba résultat. Est-ce que vous avez la maladie? Nous avons dit, Yesu a dit, c'est que les beaux tics à Jérusalem, aux Alanous, équipement, c'est mandé, bokeh, des beaux côtés. Est-ce que vous en avez bien? Est-ce que vous comprenez l'équipement? Dans ce que vous voyez, les taïques, nous avons dit, on a pour vous, 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 pour v
Oui, ma rôle n'est pas de jouer pour ça, nous allons nous en bien. Tout le monde est jeune. Si on est jeune, on va aller et puis il va répondre s'il a fait le bon réalité. Et ça, c'est ici qu'on a. Amen. Parce que nous allons nous en bien, nous allons nous en tourner en rond. Il faut d'abord être équipé et après nous allons être ministre. Frère, nous allons nous en bien, nous allons nous rôle pour nous en équipé pour ça, nous allons nous en bien. Parce que nous allons nous en bien. Amen. Nous allons nous en bien, nous allons nous en bien, nous équipé aussi. Parce que nous avons benga ba ministre. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé dans l'un des cinq ministères. Non, pardon. Dieu appelle par sa souveraineté. Et ne cherchez pas à faire ce travail-là sans être équipé. Est-ce qu'on a compris? Mes bien-aimés. Jésus a dit rester à Jérusalem. Soyez revêtus de la puissance. Je veux maintenant que nous puissions prier. Mettez-vous debout là-haut. À ses disciples d'attendre les jours de la Pentecôte. Et aujourd'hui, on parle de la Pentecôte partout dans le monde, dans le milieu charismatique. Amen. Soyons unis dans la prière maintenant. Et une fois que nous sommes unis dans la prière, nous allons expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prier pour qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Et ceux qui n'ont pas parlé en langue,
les situations vont changer dans ta faveur à cause de la prière. Alléluia. Mon imama sans tout y'a cœur, mon imama sans tout y'a cœur. Oh,
que l'Église, la fonction de l'Église soit remplie de l'Esprit, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, soyons dans la prière, que toute l'Église soit remplie de l'Esprit, avec les fidèles, les Seigneurs, je suis avec vous. Soyez équipés, Dieu veut vous équiper de toute manière. Tous ceux qui sont dans l'équipe
que toute l'église dans la prière et dans l'unité soit remplie de l'esprit. Equipe, equipe, equipe. Mate na sala, mate na pesa, mate na sala.
Thank you.
se manifester. Et ton peuple est équipé. Et chacun, par le Saint-Esprit, reconnaît quelle est sa place. C'est le don qu'il a reçu, les talents. Il est appelé à fructifier. Reconnaît quelle est sa place. C'est le don qu'il a reçu, les talents. Il est appelé à fructifier, à mettre en valeur. Et chacun est équipé par des dons. Selon Romains 12, 6 à 8, que ce soit les services, la prophétie, la miséricorde, l'enseignement et tous les autres dons. Seigneur Dieu, pour aussi ceux qui sont appelés dans le ministère comme moi, pour aider les autres à bien te servir. Et je crois que cette église aujourd'hui est bien équipée par le don de l'Esprit qui se manifeste à tout moment afin que vous puissiez expérimenter la gloire et avoir la réponse à vos problèmes, avoir la réponse à tous les problèmes qui vous dérangent. Que les gens qui sont malades soient guéris, qui sont dans des problèmes, trouvent des solutions, et que Seigneur dit le jour le tout en nom de faveur. Et je crois que tu viens de le faire dans l'équipe de ce dimanche, de la Pentecôte, que chacun entre rempli de l'Esprit, équipé pour servir avec l'équipement surnaturel de Dieu, avec la puissance surnaturelle de Dieu. Et je crois que ces mécanismes vont continuer à croître pour la puissance de Dieu à travers la qualification des gens. Nous sommes qualifiés par l'équipement, Seigneur Dieu, que tu gères nos équipes. Peuple de Dieu, recevez la bénédiction de Dieu. Que la semaine soit bénie pour le Christ et pour l'âme de Dieu. Que tu réussisses et que Dieu vous garde en bonne santé physique. Mais en fait, dans tous les domaines, je proclame le succès dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'autre mission, c'est pourquoi les gens sont venus pour le matin et les autres dimanche. Donc, aussi, dans la cour à Renault, ils ont concerné pour la vie, non ? Ainsi que par intercesseur.